Daniel chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1er. La première année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que ces 3 semaines entières soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, n'est-ce pas, fin du phase. Son corps était comme de chrysolite et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude de gens. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent aussi, mon visage changea jusqu'à être tout défait et je ne conservais aucune vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendis le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael ou Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je mis mon visage contre terre et je garde le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche. Je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Ainsi, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha encore et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retournerai pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Javan, c'est la Grèce, bien sûr. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne contre cela, excepté Michel, votre chef. Amen. Alors, bien sûr, chef ici vient de ce terme-là, qui signifie aussi prince, gouverneur. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Daniel
homme de Dieu, prophète du Seigneur, homme intègre, était bien sûr juif. Il se retrouve à Babylone, sur une terre étrangère, et transporté de Juda, son pays, à Babylone, par le roi, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar, hein, ou Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il arrive là-bas, il va assiéger la ville de Jérusalem pendant 3 ans, et ensuite une brèche va être faite sur la ville. Toute la population, pratiquement, en tout cas plus de 70%, n'est-ce pas, des Juifs va être... ils vont être déportés là-bas, et Daniel était parmi les captifs, il était jeune, nous dit Daniel 1, fils de roi. Et 70 ans après la captivité, donc il devait certainement avoir 15 ans, quelque chose comme ça, 12 ans, 12 entre, en tout cas entre 10 et 15 ans. Et 70 ans après, Daniel se rend compte que ils étaient toujours en captivité, alors que Jérémie avait prophétisé que Babylone avait reçu de Dieu un temps pour régner. Et ce temps était de 70 ans. C'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui détermine la durée des règnes des rois, des hommes. Voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si la captivité a duré 70 ans, c'est parce que Dieu avait décidé que, n'est-ce pas, Babylone allait régner pendant 70 ans. Et Daniel s'aperçoit que, à l'issue de cette durée-là, à la fin de cette durée, ils étaient toujours en captivité. Alors, il dit, c'est pas logique. Pourquoi dans le chapitre 9, on nous dit qu'il est tombé sur les écrits de Jérémie le prophète, disant que il leur fallait 70 ans de punition. Il dit, comme on est toujours en captivité, 70 ans après, je vais prier. Alors, il prie. Et l'ange qui lui avait été envoyé nous dit à Daniel, que dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, ta parole a été entendue, ta prière a été exaucée, un ange a été dépêché. Et Daniel lui-même nous donne une information. Il dit que il a eu à se mettre à part, il a prié pendant 3 semaines. En fait, à l'origine, il n'avait pas prévu de jeûner pendant 3 semaines. S'il a jeûné pendant 3 semaines, c'est parce que l'ange a été retenu pendant trois semaines, l'ange qui lui avait été envoyé. Donc quand je vois des chrétiens aujourd'hui jeûner 3 semaines, c'est complètement religieux. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est complètement, tout est tordu. C'est-à-dire qu'il faut une base biblique, il faut une formation biblique pour pas faire les choses de manière charnelle. Donc il n'a pas jeûné 3 semaines parce qu'il le voulait. L'ange a été retenu pendant 3 semaines. C'est-à-dire pendant 3 semaines, cet ange messager. Donc ça fait partie du combat spirituel. C'est des choses à connaître. Vous avez juste rapidement des anges guerriers qui font partie de l'armée céleste. Donc, les anges guerriers, parmi les anges guerriers, vous avez par exemple Michel. Et on nous dit que Michel était un chef. Chef, c'est Sar, même terme, hein, utilisé pour le prince de Perse. D'accord? Donc, voilà. Et on nous dit que Michel était aussi un prince, c'est un gouverneur. D'accord? Et donc, vous avez Michel et tous les autres. Et lui, il est un de chef, un de prince. Il est encore présent, il est présenté aussi comme un archange. D'accord? Et Seigneur, un des premiers anges que le Seigneur a créé. Les archanges sont les chefs, ils sont parmi les premiers que le Seigneur a créés. Et voilà. Donc, les anges guerriers, vous avez des anges messagers. Et parmi lesquels, vous avez par exemple Gabriel. Donc, on ne va pas parler des anges, mais c'est quand même important de rapidement d'expliquer cela. Donc, l'ange qui avait été envoyé ici, là, premièrement, pour délivrer un message à Daniel, c'est un ange messager. Donc ce n'était pas un guerrier. Ce n'était pas un combattant. D'accord? Et quand il arrive dans le royaume de Perse,
Il va être bloqué pendant 21 jours par le chef, le gouverneur, le prince de Perse. Vous allez me dire, mais c'est quand même, ça peut être bizarre. Au ciel, Dieu est tout-puissant. Et comment un démon? Donc le chef ici de Perse, ce n'était pas un homme comme vous et moi, c'est une entité territoriale. Et comment un ange du ciel peut être retenu par une entité territoriale pendant 21 jours? Et d'ailleurs, l'ange en question dit à Daniel, celui qui a été retenu, il dit, il n'y a que Michaël qui m'aide contre cela, c'est-à-dire contre ces entités territoriales. Michaël est votre chef. Effectivement, parce que l'archange Michel a reçu une mission spéciale pour Israël. Donc, Dieu l'a établi comme ça pour défendre Israël. D'ailleurs, si vous allez au ciel, vous n'allez pas forcément le voir, Michel ou Michaël, parce qu'il est toujours en mouvement, il est toujours en guerre. Voilà, les anges guerriers, il y en a des myriades et des myriades, ouais, ils sont tout le temps, bien sûr, en guerre. Parce que nous sommes dans un combat, nous livrons un combat spirituel, un combat très très intense, un combat spirituel. Et donc, le même mot ici là va être utilisé donc pour, bien sûr traduit par chef ou prince, pour Michel ou pour le prince de Perse. Ça veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, il y a l'équilibre, toujours. Il y a l'équité. Dieu est juste, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que un chef ne va pas attaquer un petit. Un petit ne va pas attaquer un grand. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Seigneur, je prends un exemple. Les épreuves, les combats auxquels nous faisons face sont proportionnels, n'est-ce pas, à l'appel qu'on a reçu. Dieu ne va pas vous demander d'aller, par exemple, dénoncer les faux apôtres si vous n'avez pas vous-même une onction apostolique. Vous allez mourir. C'est pour ça que ceux qui ont dénoncé Babylone hier, là, ils ont dépassé Babylone même dans la paganisation. Je leur disais, mais arrêtez de dénoncer, vous avez reçu le manteau. Non, non, papa, non, ça va aller. Aujourd'hui, ils sont amis avec les pasteurs qu'ils ont dénoncés. Voyez? C'est pas un jeu. Nous sommes dans un combat. Si vous êtes poids léger, là, vous n'allez pas attaquer un poids lourd. Vous comprenez? Quand on dit combat spirituel, les gens s'attendent tout de suite. On va prendre Ephésiens, machin, tout ça, l'armure du combattant. Non. Il faut commencer par l'équité. Par l'équilibre, par la justice. Par exemple, vous ne verrez dans les Écritures aucun autre ange combattre le diable si ce n'est Michel. Ben non. Vous avez vu Gabriel aller attaquer Satan. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est écrit, non? Voilà. Dieu a toujours envoyé Michel. Quand il fallait disputer le corps de Moïse, c'était Michel qui était là. Ben oui. Je me suis fait comprendre. Hein? Ok. Élie, il a combattu les prophètes de Baal, non? Parce qu'il avait l'onction prophétique. Donc, il a combattu les faux prophètes. Paul a eu affaire aux faux apôtres. Il a écrit dans 2 Corinthiens 11. Il dit, ces hommes-là sont les faux apôtres. Parce qu'ils lui ont été un apôtre. Vous voyez? Il y a le blé et les vrais. La lumière et les ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, chacun doit connaître son identité. D'ailleurs, c'est mon prochain livre qui va sortir là. Connaître son identité en Christ, connaître son identité et sa position en Christ. Dimanche, il y a deux dimanches quand on était aux Antilles, là c'est à Martinique, le dernier dimanche, là c'est le message que Dieu m'a donné. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, à la fin de ce message-là, le Seigneur m'a dit, tu vas écrire un livre là-dessus.
quand je suis rentré là, ben, j'ai commencé le lundi, là, j'ai fini cette semaine. J'ai fini quand c'était samedi. Je l'ai envoyé en correction. Donc, il va sortir, si tout va bien, en mars. Février ou mars. Et c'est important, le combat spirituel, de connaître sa position. Son identité. Ce n'est pas en vain, ici, mes amis, si l'hébreu utilise un même terme pour parler de deux chefs, de deux royaumes différents, deux royaumes opposés. Sar pour le chef de Perse, Sar pour le chef, un des chefs de l'armée de Dieu. Ça commence bien. Donc là, bien sûr, vous avez Michel. Et là, vous avez une entité spirituelle, un démon. Et territorial. C'est-à-dire, c'est un démon qui gérait le territoire, tout le territoire de Perse. Et après l'empire perse, Médo-Perse, donnez-moi le nom de notre empire l'empire qui a remplacé l'empire Médo-Perse. L'empire gréco-macédonien, donc la Grèce. Donc, la Grèce ou Java. Okay, on est d'accord? Donc, voyez, donc le chef qui allait remplacer ce démon-là, ou le démon qui allait remplacer ce démon de Perse, c'était le démon de la Grèce. Donc ici, nous comprenons quoi? Nous comprenons que à la tête de chaque pays, Satan a placé un démon territorial. Donc, chaque pays est dirigé par un démon qui est comme le roi de ce pays-là. C'est comme ça que Satan a divisé, a subdivisé le monde. Nous avons un président ici, dans le monde spirituel, dans le fonctionnement de la France spirituelle, vous avez aussi un président spirituel qui est là, une entité territoriale, principale, n'est-ce pas, qui dirige d'autres entités territoriales qui travaillent avec elle pour gérer la France. C'est-à-dire que c'est un gouvernement invisible, gouvernement occulte, mystique. Et tous les gouvernements visibles qui nous dirigent là vont prendre globalement leur directive, n'est-ce pas, auprès de cette entité-là. D'où la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Cancard, tout ça, si l'on veut accéder à certains postes à responsabilité. C'est un royaume très très bien organisé. Avec des frontières. Amen. Donc, vous voyez, maintenant, un ange arrive du ciel. Vous avez, par exemple, ici, c'est la Perse. Un ange arrive du ciel. Et pour pénétrer ici où il y avait Daniel, l'entité territoriale a bloqué. Tu rentres pas. Alors, on va comprendre pourquoi Dieu disait à Josué, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne. Si on s'arrête sur ce verset-là, si on s'arrête là-dessus sur le plan physique, on ne va pas comprendre pourquoi Dieu a dit cela. Pourquoi Dieu va parler des pieds? Pourquoi il va parler des territoires? Parce que nous foulons aux pieds les puissances occultes. Vous comprenez? Ben oui. Le Seigneur l'a dit, tout lieu où foule la plante. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Mmh.
Donc, ça veut dire que les guerres que les Juifs ont livrées contre les Cananéens, contre d'autres peuplades, de tout ça, c'était d'abord des guerres spirituelles. Ça, il faut jamais l'oublier. Regardez. On va vous montrer ça. Allons rapidement voir dans Daniel chapitre 1er. Quelqu'un peut prendre le micro et nous lire le verset, les versets 1 et 2. Daniel chapitre 1er, versets 1 à 2. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Ah! Donc la guerre entre Babylone et Israël, à l'époque de Jérémie, était d'abord une guerre spirituelle. Donnez-moi le nom de la divinité principale babylonienne. Nebu, d'accord? Donnez-moi le nom du roi qui a mené cette guerre ici. Nebu, donc Nebu, d'accord? Voilà. Son nom signifie que Nebu garde, protège. Ben oui. Et quand il prend les ustensiles du temple de Dieu, de Jérusalem, où est-ce qu'il va mettre ses, il va les mettre là? Dans le temple de son Dieu. C'est-à-dire, il va le dire, n'est-ce pas? C'est grâce à toi, mon Dieu, qui est un démon, que j'ai remporté cette victoire. C'est pourquoi je te consacre les ustensiles du Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'Israël. Mais il y a un détail qu'il a oublié, Nebuchadnezzar, c'est que il est écrit ici que c'est Dieu qui a livré Jérusalem. Donc, notre Père est tout puissant. On l'acclame, alléluia, gloire à Dieu. Il y a un autre détail, un autre verset que vous allez comprendre. Nous sommes dans... Donnez-moi le nom d'une femme qui a combattu pour son pays dans la Bible, qui a remporté une grande victoire. Déborah. Elle était prophétesse et juge. Elle a combattu contre quelle armée? Quand, juge, chapitre 5. Verset 1er, quelqu'un peut le lire? Juges chapitre 5, verset 1er. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam, en disant. Ok, en disant. Prends le verset 19. Verset 19. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors, combattirent les rois de Canaan à Taanak, près des eaux de Megiddo. Ah, Megiddo. Ça vous dit pas, ça vous rappelle pas quelque chose, là? La guerre d'Armageddon, qui aura lieu où? À Megiddo. Ah, ah. Et ils ont combattu contre quel roi? Les rois de Canaan. Il y en avait plusieurs. On est d'accord, hein? Alors, lisons le verset 20. On a combattu des cieux. Ah, on a combattu d'où? Des cieux. Ah, continue. Les étoiles, dis-je, ont combattu du les lieu. Les étoiles ont combattu. Ah. Continue. Du lieu de leur cours contre Sisra. Ah. Le torrent de Kizon. Ah, c'est bon. Sisra a été un chef de chefs de l'armée cananéenne.
On nous dit que les étoiles ont combattu depuis le ciel. Mais les gens pensent que sous Moïse, la guerre était seulement physique comme ça, il n'y avait pas de démons impliqués. Qui vous a dit ça? Toutes les guerres que les Juifs ont livrées étaient d'abord des guerres spirituelles. C'est pour cela qu'il fallait avoir l'arche avec soi. Une fois même, Jésus a vu un ange, l'épée, son épée était sortie de son fourreau, et l'ange dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Jesus Christ. Voyez? Le combat spirituel. Donc, Sisra, ces rois-là, cananéens, ou d'autres peuples-là, tout ça, là, venaient aussi avec leurs démons. Invoquer leur divinité. Voyez? Et les rois qui remportaient la victoire prenaient les divinités des personnes vaincues, de l'armée vaincue, et partaient avec. C'est comme ça qu'ils faisaient une collection de divinités. C'est pour cela que quand Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, il a pris les ustensiles du temple de Yahweh. Il a cru que Yahweh allait être une divinité parmi tant d'autres. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ça commence à chauffer, Alléluia, mon Dieu. Vous comprenez un peu le combat spirituel? Voilà, on va parler du combat spirituel autrement. Rappelez-vous bien, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, c'est mon collaborateur le plus parfait. Il me donne des choses à chaque fois là pour nous tous. Un jour, Élisée, le prophète, était seul face à l'armée syrienne qui envahit à l'époque Israël. Son serviteur pleurait, oh, mon maître, mon père, on est foutu, on est mal barré, tout ça là. Il dit, calme-toi petit. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Là. Il dit, mais je vois personne. Il dit, Yahweh, ouvre ses yeux. Oh! Acclame le Seigneur, alléluia. Donc, vous voyez bien que ces prophètes de l'Éternel, de Yahweh, savaient que le combat était spirituel. Mais son serviteur ne savait pas, le serviteur d'Élisée. Il s'agitait. Donc, si vous n'êtes pas conscient, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre identité, si vous ne la connaissez pas et votre position, et que vous partez dans ce combat-là, vous allez être vaincu. Vous allez être écrasé. Je vous dis. Écrabouillé. Vous allez commencer à avoir des démons partout, des sorciers partout, même s'il y en a, mais vous restez calme. Pourquoi vous vous agitez? Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Vous voyez? Voilà. Et dans le combat spirituel, ne rentrez pas dans un combat qui ne vous concerne pas. N'allez pas combattre si vous n'êtes pas armé. Moi, je vois aussi des gens qui se présentent pour faire des vidéos sur l'internet, sur le net, YouTube, qu'est-ce qui vous arrive? Les démons du net, là. Ils sont là, les démons, là. Vous croyez quoi? Voyez, mes amis? Dis à ton voisin le combat spirituel. Hein? Regardez. David devait combattre contre Goliath. Saül lui donne son armure. David, il rentre dedans, il dit non. Ça, c'est pas ma taille. S'il partait avec ça, il mourrait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le combat spirituel, mes amis, là. Oh là là, Seigneur, sauve-nous. Donc, vous avez déjà compris ici que chaque territoire est dirigé par un démon principal. Chaque pays. Vous vous rendez compte que ce démon territorial a retenu un ange que Dieu a envoyé pour parler à son serviteur Daniel pendant 21 jours. Pendant 21 jours, Daniel pleurait, Daniel gémissait, Daniel s'abstenait de nourriture, tout ça là, tout ce qui est viande, tout ça là. Et l'ange était là, et il attendait. Et quand l'ange dit que ce démon l'a résisté, littéralement, il voulait dire, ce démon s'est tenu debout. C'est-à-dire, c'est comme s'il était assis. Maintenant, quand il a vu l'ange arriver, il s'est tenu debout. Pour lui, tu ne rentres, tu passes pas. Résister en étant debout. Voilà. Face contre la personne qui veut
pénétrer dans ton royaume. Et vous savez, Dieu, n'est-ce pas, va attendre 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce que ce territoire a été confié à ce démon, par Adam. Ben oui. Et Dieu avait dit que c'est le temps de nation aussi. Donc le temps de nation, c'est un temps durant lequel les nations s'autodirigent. Hein, elles sont basées bien sûr sur une organisation, elles sont organisées de manière démoniaque. Donc quand vous prenez l'avion, vous traversez la France, vous quittez la France, vous traversez la Belgique, vous voyez, il y a des frontières spirituelles. Voilà. Les entités de Belgique, voilà, savent qu'un tel est un tel avion. Ils savent. Vous traversez le Danemark, pareil, là-bas aussi, l'entité principale sait que vous traversez le Danemark et ainsi de suite. Et maintenant, si vous allez en mission et que Dieu ne vous a pas mandaté, il y a une personne qui m'a envoyé un message, elle me dit, voilà, donne-moi les dates, je te paye le billet pour aller à Tunis. Je dis, je vais voir ça, on va prier. Je priais, je sentis que j'attendais que le Seigneur me parle clairement, j'ai pas reçu. Je lui dis, écoute, on va annuler ça, on va voir ça plus tard, remettre ça plus tard. Des gens partout qui m'envoient des emails, des messages, tout ça, le billet là, Air France, machin, viens. Des gens pensent que je voyage quand Dieu me parle. Sinon, tu peux pas. Tu vas aller à Tunis comme ça, là, l'entité qui est là-bas, là. Si Dieu t'a pas dit, pars. Si t'es pas équipé pour la Tunis, même si tu es apôtre ou prophète, ben, tu vas mourir. L'entité qui est là travaille. Regarde, le combat spirituel. Regardez bien. Là, vous avez, par exemple, un fleuve qui traverse ce pays. Il y en a plusieurs, mais juste un exemple d'un fleuve. Et ce fleuve-là peut être coupé en plusieurs, en cinq zones. Juste un exemple. Et chacune des zones est dirigée par une sirène des eaux. Parce que dans Apocalypse 12, on nous dit qu'il y a des démons qui sont tombés aussi dans les eaux. Donc, sous les eaux, il y a un monde marin mystique. D'accord? Donc, imaginez maintenant toi. Dieu ne t'a pas dit d'aller. Tu dis, bon, j'ai la grâce, j'ai l'appel, j'ai l'onction, tout, tout, tout. Et Dieu a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mais ça, c'est de manière globale. Mais il faut attendre l'ordre à chaque fois, l'ordre de mission. Parce que quand tu pars en mission, il y a des anges que Dieu va envoyer pour être avec toi pendant la mission. Si c'est 10 jours, 10 jours. Imaginez maintenant, toi, tu pars, Dieu n'a rien dit, tu te fies sur toi, à toi-même, hein, tu te bases sur ton onction, sur ton intelligence, ta connaissance, et non plus sur Dieu. Eh ben, tu pars, tu prends l'avion, tu pars, t'es pas couvert, t'arrives là, t'es comme nu. T'as pas reçu l'onction pour parer à ce démon. Cette entité territoriale autour de laquelle il y a d'autres entités qui gèrent les villes maintenant, les régions, les départements, selon le découpage du pays. Bah oui. Donc en France, nous avons, il y a la France, désormais il y a quoi ? Les régions. On est d'accord ? Donc la France est divisée par plusieurs, découpée par plusieurs régions. À la tête de chaque région, vous avez une entité territoriale autour de laquelle il y a d'autres entités. Ensuite, vous avez les départements. On est d'accord. Et ensuite, vous avez les communes. Tout ça, là. Et ensuite, vous avez les quartiers. Vous avez des rues. Ben oui. Quand on va baptiser une rue, là, avec le nom de quelqu'un, là, la personne, là, à travers avec quel esprit? Je suis en train d'écrire un livre sur le combat spirituel que j'ai presque fini. Tu vas sortir aussi. On est trop ignorant. Donc, voilà comment Satan a placé ses pions. Jean 1 Jean 5, 19 nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé. Ça va?
Ça va? T'es là? Tu vas bien, frère? Dors pas. Plongé dans le mal. Regardez. Là, on n'a pas touché à la sorcellerie. Nous sommes d'abord en train de vous, n'est-ce pas, ce soir, comme c'est l'introduction, on va décrire un peu, on va vous montrer la carte spirituelle du monde. La géographie spirituelle, si vous voulez. Il y a une famille qui est venue me voir. C'était dimanche. Avec des enfants. Quatre enfants, quatre sorciers. Ah oui, le papa est là, ce soir. Même des enfants, les tout. L'aîné, je crois qu'à quel âge, 14 ans, quelque chose comme ça. Deuxième, 10 ans ou 12 ans. Et les deux derniers, là, je crois que moins de 3 ans, ou moins de 4 ans. Tous sorciers. J'ai reçu le deuxième, je parlais avec lui tout au bureau, là. Je posais des questions, il ne parlait pas vraiment. Le Seigneur m'a dit, mais c'est normal, il a laissé son esprit dehors. Sa sorcellerie. Je lui dis, bon, ça ne sert à rien parce que tu es une coquille vide. Va chercher la sorcellerie. Là où je pose la question, tu l'as laissé dehors? Il dit non. Il dit oui. Je lui dis, ben va la chercher. Il s'est levé, il est parti la chercher. Il est revenu. Tu l'as récupéré? Il m'a dit oui. Et assieds-toi là. Oui, le combat spirituel, il y a des choses, on va parler cette semaine là. Il faut ouvrir également les oreilles. On est trop naïf. Vous êtes de la bouffe ambulante. Alléluia. Toi, tu vois là ton poulet là que tu as congelé là. Tu penses que le poulet là, il dit quoi là, le poulet? Il dit toi aussi là, t'en as un. Alléluia. Tu te dandines comme ça, dis-moi, la prière, ça ne m'intéresse pas. Jésus, je ne suis pas encore prêt. Attends. Quand tu meurs, on te met où? Dans un congélateur. On appelle ça la morgue. C'est un euphémisme. Hein? On dit congélateur, ça va choquer tout le monde. C'est la même chose. Vous voyez? Bon, on va en parler aussi pendant la formation. Là. Voilà. Vous voyez que je continue, non? Qui commence à comprendre certaines choses. Oh, regardez. Dis à ton voisin, le Seigneur va nous parler ce soir. Dis-lui, il va nous enseigner cette semaine. Il me donne le passage pour que vous compreniez ces réalités-là. 1 Thessaloniciens. Nous parlons d'abord de la géographie spirituelle, c'est-à-dire la carte spirituelle du monde. Thessaloniciens 2, 18, on va tous le lire à haute voix. Et la personne qui a le micro, pareil, on va tous le lire à haute voix. Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. 1, 2, 3. Nous avons donc voulu une et même deux fois aller chez vous, du moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. Waouh! Paul dit qu'il voulait aller une ou même deux fois voir les Thessaloniciens. Satan lui a dit, tu ne passes pas. Il va passer. Satan l'a empêché. Qui parle ici? Paul, non? Il était apôtre, non? Vous minimisez le combat spirituel, vous minimisez la cartographie, la carte spirituelle. Je parle de la carte géographique. On dit non, c'est la foi, oui, mais la foi n'exclut pas la raison, l'intelligence, la connaissance. Hein, c'est important. Connaître son identité, connaître le monde dans lequel nous sommes. C'est important, nous sommes en guerre. Les gens disent, on parle la foi, je veux quand même. Ah bon? Paul, le grand apôtre, qui peut diriger la longueur de Paul? Moi-même, je ne peux même pas parler de ça.
Je ne lui arrive même pas à la cheville. Il dit, une ou deux fois, Satan nous en a empêchés. Moi et mon équipe, il ne vous passait pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, parce que c'était, il y a des territoires. Et comme ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur que Paul aille là-bas, eh ben, il n'y avait pas de mandat. Dans Acte 16, Paul voulait aller à Mysie. L'Esprit de Jésus, du Seigneur lui dit non. Il voulait aller ici deux fois. L'Esprit de Jésus lui dit non, tu pars pas. Pourquoi? Pas de mandat, tu pars pas. Il y avait une porte. Parfois, Paul parlait comme ça. Il disait une porte grande et nous était ouverte. Bah oui. Moi, je disais aux gens ici, ne bougez, ne courez pas après les missions. Ils aimaient tellement l'avion. Même les vieux coucous, les cercueils volants, ils montaient dedans. J'étais là, je rigolais seulement. Je disais, tu voyages. Je disais, alors, disais si. Il m'appelait le vieux. Oh, le vieux, là, il est vieux, il est fatigué, il est fini. Dans tous les avions, là. Allez-y. Ça a donné quoi? Ben, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Satan a pris tous les manteaux. Fini. Je veux dire, Dieu les a récupérés, mais Satan a pris à voler des choses quand même qu'ils avaient. Parce que même Paul dit, mais là, Satan n'a pas voulu, là, Dieu n'a pas voulu, là, Satan nous a empêchés. Il y a des territoires, comme je vous ai dit. Vous avez la France, un pays. Vous avez les régions. Vous avez des entités à la tête. Vous avez des départements. Des entités. Vous avez des villes. Vous avez des quartiers. Vous avez les rues. Ah oui. Et si vous allez par exemple au Congo Kinshasa, c'est pareil, vous avez la RDC, vous avez les régions, vous avez les départements, hein, vous avez les villes, vous avez les quartiers, vous avez les rues, et vous avez les chefs des rues, chefs de quartier, chefs de ville, les bourgmestres, les villes, les chefs de département, chefs de région, et le président avec son gouvernement. Les chefs de région avec leur gouvernement, chefs de quartier, de ville avec leur gouvernement, chefs de quartier avec leur gouvernement, chefs de rue. Et je vous assure, les chefs de rue sont généralement des sorciers. Et chefs d'immeuble aussi. Bah oui, les concierges. On acclame le Seigneur. Un jour, Paul arrive à Damas. Le gouverneur, c'est écrit, non? Hein, de la ville. De cette ville-là, cette région-là. Le gouverneur a voulu l'attraper. Paul, vous savez comment il est parti de là? Par une fenêtre. Dans une corbeille. On l'a descendu par une corbeille avec une corde. Paul, dans une corbeille d'offrande, là-dedans. Qui ne voyait pas les choses comme ça? Vous voyez comment on est naïf? Il y a des jeunes ici, là, s'ils ne meurent pas là, parce que Dieu les garde encore. Quand Dieu me saisit, il dit, il faut faire attention, ils écoutent. Voyager pour voyager, c'est la mort. Bouger pour bouger, c'est la mort. Je vous dis, le nombre d'invitations que je décline là, qui n'aimerait pas prendre l'avion à la Dallas? Los Angeles, les invitations comme ça. On devait aller à la Nouvelle-Calédonie. J'attends toujours clairement les choses, des bonnes confirmations. Parce que vous prenez l'avion, vous allez traverser des territoires spirituels. Et si vous n'êtes pas, si Dieu n'est pas avec vous, là, c'est comment? Pas de protection. Vous allez rentrer dans une zone de turbulence, là, il y a des démons terribles, tout ça, là, qui, s'il n'y a pas Dieu, vous allez faire quoi? Moi, quand je prends l'avion, quand il y a des turbulences, je dis, Seigneur, tu m'as parlé. Donc, ah ouais? Cette mission-là, tu m'as confirmé, Seigneur. Hein? Et à chaque fois, un chant me vient. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde. Là, je me rassure.
Mais si tu n'es pas la volonté du Seigneur, là, tu vas entendre ça. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? Frère, dis à ton voisin, tout est dans la Bible. Jonas, ça fait quoi? Dieu dit, va à Ninive. Lui, il est parti où? À Tarsis, là-bas, là. C'est ça, non? On dit, Tarsis, c'est pas pour toi. Ah, si. Ah, ben, il a fini comment? Suicide, hein? Mais Dieu l'a rattrapé. C'est pour ça, là, les femmes qui sont enseignées, là, parfois, faut retenir vos maris quand, si vous voyez qu'ils ont plus, vous savez, même un chien qui a quatre pattes, là, les chiens suivent toujours une seule route. Moi, je vois des frères, là, qui ont un tout petit peu d'onction, ils ont plusieurs chemins. Tata, je dis, quoi? Dis à ton voisin, la mort. Vous arrivez ici, là, comme je disais, le fleuve, là, traverse ce pays. Il y a 5 zones, ou 4 zones, ou 10 zones, ça dépend. Comment, de la manière dont Satan a départi les choses, a réparti les choses. Mais si vous arrivez là-bas, là, vous dites, oh, je crains Dieu, s'il y a une sirène préparée pour toi, là, si tu n'as pas le manteau pour te protéger, tu arrives comme ça, le manteau, là, c'est quoi? C'est l'armure. Ben oui. Un dard, on va parler des dards, des flèches. Un dard, au bout duquel il y a un petit feu, là. Le feu étranger. Comme tu n'as pas de protection, ça atteint ton cœur, là. Ça atteint tes pensées, là. C'est fini. Je vous dis. Je suis allé en Guadeloupe. Comme c'était le Seigneur qui m'avait parlé clairement. Donc on arrive. Dès la première soirée, une sirène, une femme était assise devant, mini-jupe ici, les jambes écartées, on voyait sa culotte. Ah ben oui. Tant d'art. Et comme il y avait la protection, eh ben tout de suite, ça ricochait. Tout ça, là, il y a eu la protection. Mais si tu n'es pas mandaté, tu fais quoi? Tu restes là-bas. Je vous dis. J'ai appelé un frère là, tout ça, Samuel. J'ai dit, Samuel, viens s'il te plaît. Il vient. Je dis, à l'oreille, la dame là, t'as vu? Oh, tout ça là. Il est allé chercher une sœur. La sœur est allée sagement dire à la femme en question. Elle est partie au fond là-bas là. Et puis tout de suite, elle dit, j'avais prévu quelque chose là. Ben alors pourquoi tu l'as pas mis? Tu viens comme ça, les jambes comme ça, c'est quoi? C'est une autoroute? Le lendemain, elle vient me demander pardon, tu sais, pardon, tout ça, mon mari, c'est une femme de la Guadeloupe, mon mari est un Congolais de Brazza, tout ça, et j'ai un enfant vainc, et puis il nous a abandonné, tout ça. Et une femme qui n'était pas non plus moche, hein. Et je lui dis donc, tu cherches un Africain? Alléluia! Dis à ton voisin, c'est la guerre! Ah bah oui. Surtout là, mes frères, faisons attention. Ne soyons pas sûrs de nous-mêmes. Trop sûrs de toi-même. Ah, je peux. Ah bon? Satan n'est pas un petit démon. Il est tellement pas petit là que Dieu devait envoyer Michel, l'un des chefs, pour gérer son affaire. La Bible dit que l'année où les rois entraient en guerre, David est resté à Jérusalem. C'est écrit, non? C'est écrit, qui a déjà lu ça? Le moment de la guerre, lui, il est resté. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est tombé. Ben oui. Il y a un temps pour tout. Il a convoité la femme de quelqu'un. Ah ouais. Voyez le combat spirituel? Et chaque enfant de Dieu dans ce combat spirituel, chaque enfant de Dieu a un territoire qui lui est assigné. Paul était établi dans les nations. Pierre pour les Juifs, Israël seulement. Même si Paul était établi pour les nations, mais quand il devait aller là, quelque part dans les nations, là, il fallait que Dieu lui donne l'aval. Il fallait l'aval du Seigneur. L'autorisation. Ben oui, tout le temps. Parce que c'est lui qui nous, c'est son esprit qui nous conduit, qui nous fait. On zigzague comme ça là, pour éviter les. On va slalomer là pour éviter les pièges. Ben oui. Parce que nous combattons contre un ennemi invisible. Nous, on ne le voit pas. Nous sommes les esprits, mais les esprits qui sont utilisés par l'Esprit de Dieu. Donc c'est lui qui voit les pièges. Et si toi, tu ne te laisses pas guider. Oh, Dieu m'a dit, c'est les nations, c'est l'Europe. Ah oui, mais
Il ne faut pas bouger pour bouger. Combien de fois les gens ne me disent-ils pas encore là, parfois l'Europe, viens en Allemagne, c'est le billet là, viens au Danemark, tout ça, viens en Suède, on va prier mes amis. À chaque fois que vous me voyez bouger, c'est que je l'avale du Seigneur. Donc il y a des territoires. Pierre ne pouvait pas aller s'aventurer hors de son territoire. Regardez, ce soir, Dieu insiste sur la géographie spirituelle. Vous comprenez un peu, hein? C'est dans la Bible, hein, tout ce que je vous donne là. Que vous compreniez d'abord comment ça fonctionne, comment ce royaume est organisé sur le plan géographique. Vous allez voir le préfet de l'Essonne qui va aller à Saint-Denis là-bas pour aller. Non, son territoire, c'est l'Essonne. Voilà. Vous, avec le passeport français, là, si vous voulez aller en Chine, par exemple, dans un pays où il y a le visa, il faut le visa. On part au Gabon, il faut le visa. L'autorisation de sortie. 2 Corinthiens chapitre 10. Il y a une réalité, c'est terrible, que vous allez comprendre. Par rapport au territoire. Nous lisons à partir du verset 13. 13 à 15. Tu peux lire, ma sœur, hein, s'il te plaît. De Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 13. Mais pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier de ce qui n'est pas de notre mesure. Ah, mesure. On continue. Mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné. Champ d'action que Dieu nous a assigné. Un territoire bien défini. On continue. En nous amenant jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous. Vous vous rendez compte? Vu que nous sommes parvenus même jusqu'à vous par la prédication de l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas dans ce qui n'est pas de notre mesure, c'est-à-dire dans les travaux d'autrui. Mais nous avons l'espérance que si votre foi augmente, nous serons amplement agrandis dans ce qui nous a été départi selon la mesure réglée, pour évangéliser dans les lieux qui sont au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Waouh! Quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le pays, vous voyez, hein, c'est Dieu, ton voisin, l'intelligence nous sera ouverte ce soir. Qui n'a jamais compris cette parole-là comme ça là? Vous voyez, mes amis? Ah oui, tout est dans la Bible. Là, nous sommes en train de vous montrer la géographie spirituelle. Donc, dans la Bible, là, vous avez les maths, vous avez l'histoire, vous avez la géographie. Vous avez, n'est-ce pas, l'archéologie. Parce que les ossements de Joseph, là, on les a déterrés pour les... Il y a beaucoup de choses, mes amis, là. Hein? Il y a tout! Paul dit, nous ne nous glorifions pas de ce qui se fait dans les territoires des autres. Quand les Hébreux sont arrivés à Canaan, Dieu a dit, tel territoire c'est pour Manassé, tel autre territoire c'est pour Juda. C'est écrit, non? C'était des partages, de l'eau. Ben oui. Et à la tête de chaque territoire, il y avait un prince. Il y en avait 12, donc 12 territoires. Vous voyez la cartographie? Ben oui. C'est pour cela qu'on parle du roi Hérode. C'était, par exemple, Hérode, c'était par exemple, Pilate, c'était la Judée. Hérode, par exemple, c'était quoi la... Il y avait la Judée, il y avait la... Ça va me revenir là. Il y avait la Samarie, il y avait autre chose. Ça va me revenir. Vous voyez? C'était ça. La Galilée, voilà. Vous voyez? Des territoires. Il y a des frontières et il y a aussi des frontières spirituelles. Un sorcier qui habite en France, qui veut aller en Belgique en sorceler, il passe par un territoire spirituel, par une frontière spirituelle. Ben oui.
Il va demander la permission aux esprits, aux entités territoriales qui sont là-bas, à d'autres sorciers qui sont là-bas, qui gèrent. Voilà, je viens prendre telle personne qui se trouve dans votre territoire. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour cela qu'ils sont très, ils collaborent très, très, très bien. Voyez. Et Paul dit, nous ne nous étendons pas au-delà. Nous ne nous étendons pas au-delà de nos limites. Mais un chrétien qui veut mener correctement le combat spirituel, qui ne connaît pas ses limites, mais il va mourir. C'est ce qui a tué beaucoup chez nous. Ce qui tue beaucoup de pasteurs, beaucoup de femmes de Dieu, des prophétesses. C'est pour cela quand je dis, quand nous disons, nous prions sur la sanctification, les gens ne comprennent pas. Il est dur. Quand je dis aux frères, vous n'êtes pas mariés, vous habitez ensemble, vous ne comprenez pas. Non, mais tout ça, c'est la grâce. Ils ne comprennent rien. Parce qu'ils n'ont pas la perception, ils n'ont pas une vision céleste des choses. Ils n'ont pas ce ne sont pas des aigles qui comprennent que le combat là, que les démons, ils nous connaissent. Très bien. Que si Dieu parle de la justice, de la sanctification, c'est parce que ce sont des vertus qui nous permettent de bien combattre, de bien mener ce combat-là. Il y en a, ils partent déjà vaincus. Ils partent alors qu'ils sont déjà morts dans l'œuf. Regardez les territoires. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue? Dis à ton voisin, ce soir, c'est la géographie spirituelle. Acte. C'est ça l'introduction. Oh Seigneur, il m'a donné encore des versets. Ah, il est magnifique. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure école. Acte chapitre 20. Jesus, hallelujah. Et le trouble à Éphèse, hein? Nous sommes dans Actes chapitre 19. Nous lisons, hein? Non, 19 plutôt. Actes chapitre 19, tu peux nous lire à partir du verset 23? Oui. Acte 19, verset 23. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait de petits temples d'argent de Diane et apportait beaucoup de profit aux ouvriers du métier. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage, et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère, ne soit anéanti. Ayant entendu ces choses, ils furent tous remplis de colère et s'écrièrent, disant « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut remplie de confusion, et ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre, et enlevèrent Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Ok, on peut s'arrêter là. Verset 35. Cependant, le secrétaire de la ville, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui des hommes qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne de la grande déesse Diane et de son image tombée de Jupiter ?» Ah. Mm-hmm. Vous vous rendez compte? Donc, Éphèse était une ville gardée par quel démon? Diane. Ah ah. Et vous avez vu quand Paul arrive à Éphèse? Donc ça veut dire que, comme je vous ai dit, à la tête de chaque région, chaque pays, chaque région, chaque département, chaque ville, tout ça là, rue, tout ça, quartier, il y a des démons.
Il y en a qui sont plus importants que d'autres, plus forts que d'autres. Jésus l'a dit. Que sept démons peuvent revenir dans la maison d'où un des démons ou quelques démons étaient chassés. Et ils vont prendre sept démons plus méchants. Ah bah oui. Donc il y a des démons qui sont plus méchants, plus forts, plus puissants que d'autres. Et là, on nous dit ici que Diane était une déesse qui gardait la ville d'Éphèse. Et Paul arrive là-bas pour prêcher la parole. Eh bien, il a été combattu. Les serviteurs de Diane, donc ces entités ont leurs serviteurs, qui sont des hommes comme vous et moi. On en parlera. Des sorciers, conscients ou inconscients. Sorciers, satanistes, magiciens, tout ce que vous voulez. Satanistes, voilà. Au niveau franc-maçon, cancard, maïkari, tout ce que vous voulez. Avec toutes les sectes, toutes les religions qu'ils ont créées. Donc, ils sont bien organisés. Et là, les serviteurs de Diane criaient, Diane, la ville de Fès, non, cette ville est gardée par Diane. Ils ont crié. Même le secrétaire de la ville a dit, mais qui ne le sait pas? Que Diane est tombée du ciel, c'est-à-dire littéralement de Jupiter. Jupiter était considéré comme c'est le dieu principal. Vous vous rendez compte? Jupiter ou Zeus. Waouh! Et ses serviteurs ont dit, non, nous, Diane, on la bouge pas. Et Diane est devenue, en 431 au concile d'Éphèse, Diane est devenue la mère de Dieu, chez les catholiques. Marie. Bah oui. Et l'église catholique, c'est la grande ville qui gère le monde. La grande ville qui est dirigée par Diane. Bah oui, la patronne. On va parler. Qui est assise sur les eaux. Qui enivre les rois de la terre. Bah oui. L'esprit le plus puissant sur terre, là, qui gère, là, qui Satan s'appuie, là, c'est une femme, c'est une divinité, féminine. Satan est malin. Il sait que il est passé par la femme pour détruire l'homme, le monde. Si, c'est comme ça qu'il procède. Heureusement que Dieu passe par la femme aussi pour sauver le monde. Mais c'est une guerre. Vous comprenez les choses un peu là? Vous commencez à comprendre là? Ben oui. Seigneur, ouvre notre entendement. Là. Donc, toute personne qui voulait diriger la ville d'Éphèse devait faire allégeance à Diane, la patronne. C'est pour cela que beaucoup des rois vont faire allégeance au pape quand il est élu. J'arrive à noter les questions. Merci frère. Vous voyez un peu les choses là? Voilà. Et plus tard, Paul dira, tous ceux qui sont nazis m'ont abandonné. Il a dit. Et l'église d'Éphèse, ah, Dieu dit quoi après l'Apocalypse 2 là-bas? Tu as abandonné ta première charité. Mm-hmm. Diane était présente. Diane a amené ses chrétiens à l'apostasie. Elle les a envoûtés. Diane avait ses faux prophètes, ses faux serviteurs, ses faux apôtres. C'est écrit là. Donc, vous voyez, Diane, on est d'accord que Diane était le démon principal d'Éphèse. C'est écrit, non? Ok. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un ange pour parler à l'église d'Éphèse. Ah ah. Diane, la messagère de démoniaque d'Éphèse. Et Dieu envoie aussi un ange, un messager à Éphèse. Donc, deux messagers. Vous voyez? Vous commencez à comprendre les choses là? Tout ça là? Et allons voir dans
Apocalypse chapitre 12. Sept à douze. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc on apprend ici que Michel, justement, a aussi des anges sous ses ordres. Vous voyez ? C'est un des chefs. On continue. Et le dragon et ses anges combattirent contre Michel, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Waouh! Et Satan va entraîner avec lui, comme vous le savez, un tiers d'anges. Ils sont nombreux. S'ils devaient se matérialiser, la terre ne pourra pas le contenir, même l'univers. Ben oui. Ils ont suivi Satan. Et parmi ces anges-là, vous avez des anges guerriers, comme Michael. Hein? Vous avez des anges messagers comme Gabriel qui l'ont suivi. Et ces anges messagers sont devenus les anges de Python. C'est des Pythons, des fausses prophéties, fausses visions, fausses révélations. Les anges messagers, ben, les anges sont devenus les anges de la guerre, les démons guerriers, démons de violence, tout ça, en forme de grenouilles qui vont vers le roi de la terre pour les préparer pour la guerre d'Armageddon, tout ça aussi. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Voyez, et c'est ça. Et on nous dit que il y a une guerre parce que Satan ne voulait pas quitter le ciel, comme on le sait. Ésaïe 14 nous en parle. Te voilà tombé du ciel, tout ça là, astre brillant, tout ça là. Et voilà, il brillait comme un éclair. Tac. Il entraîne avec lui un tiers d'anges. Ils l'ont suivi. Et là, ils se sont organisés avec une armée très 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 forte, très puissante. Et la parole nous dit qu'ils ont été précipités sur terre et dans les eaux. Donc une partie d'entre eux est tombée dans les eaux. Donc Mami Wata, sirène des eaux, tous ces esprits, tout ça. Hein, le Léviathan, tout ça, démon, monstre marin, tout ça. Et une partie sur terre. Donc ils sont organisés. Et là, vous avez donc les lieux célestes, il y en a là, sur terre, les eaux. Donc les eaux, tout ce qui est forêt aussi, tout ça. Vous voyez? C'est pour cela que certaines cérémonies sont faites au bord de l'eau, par exemple. Vous allez à Pointe-Noire, par exemple, au Congo-Brazza. Et vous allez voir des gens qui arrivent, s'il y a la mer, il y a l'océan, la mer là-bas, eh bien, ils viennent avec leur véhicule et rentrent sous l'eau avec. Et quelques temps après, ils ressortent avec. Ou ils arrivent sur un rond-point comme ça, ils descendent nus en pleine journée, ils déposent un gros poisson là, travaillent mystiquement, ils dansent, ils repartent dans leur 4x4. Hop, et cérémonie comme ça. Ben oui. Donc quand ils sont tombés comme ça, Satan tout de suite a dit, toi, tu vois, tel territoire, toi, tel territoire, toi, tel territoire. Éphésiens 6 nous en parle clairement. On finit dans 10 minutes par rapport à l'enseignement. On finit l'enseignement, après je réponds à deux ou trois questions. Ce soir, juste l'introduction. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ok. Amen. Éphésiens 6, 12, regardez bien. Là, c'est dans l'ordre décroissant. On a d'abord, premièrement, les quoi? Les, non, non. Les puissances. Les méchancetés spirituelles. Ça, c'est les premiers là, c'est ça. Ceux qui sont tout de suite autour de Satan. Ce sont les méchancetés spirituelles. C'est ça, non? Non, non, non.
à la fin, on va lire à l'envers. C'est dans l'ordre, voilà. Dans l'ordre donc, croissant du plus petit au plus fort. Les voilà. Méchancetés spirituelles. Les méchancetés spirituelles. Les méchancetés spirituelles, c'est ça, non? Oui. Qui sont où? Dans les lieux célestes. Voilà. Voilà, ça, c'est la première ceinture de Satan. Les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Et parmi lesquels vous avez des démons très très forts. Hein. Ça, c'est la première ceinture. C'est des lieux célestes. C'est-à-dire, voilà, Satan occupe juste, parce que Dieu, c'est le 7. Satan, il est au niveau du 6, là, au niveau de l'homme, là, c'est 6, là. Tout de suite, parce qu'il ne veut pas quitter les lieux célestes. Là, les lieux célestes, vous avez, il y a trois cieux, selon les Écritures. Hein? Le troisième ciel, c'est le paradis. Mais le ciel, le premier ciel et le deuxième ciel, c'est-à-dire le ciel atmosphérique, vous voyez, il y a plusieurs couches d'atmosphère. Hein? Voilà, il y en a plusieurs. Allez faire des recherches là-dessus. On ne va pas rentrer dans l'enseignement, comment dire, scientifique ici. Ou... Voilà. Et là, sur toute cette couche-là, vous avez des puissances qui sont là. C'est souvent les divinités qui sont, ces divinités-là, les méchancetés spirituelles-là, sont adorées comme. Adorées aussi par des religions. Comme la reine du ciel. Vous voyez? La Marie, la Diane. Voilà. C'est des démons terribles. Parce que leurs adeptes tuent pour eux. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous avez? Les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge. Les? Seigneurs du monde des ténèbres. Les seigneurs du monde des ténèbres. De cet âge. Ce sont des seigneurs. C'est pour ça que Paul disait qu'il y a plusieurs seigneurs. Ben oui. Quand on dit que Dieu, notre maître, Yeshua, est le Seigneur de seigneurs, ben oui, parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Mon Seigneur, ça vous dit quelque chose? Ben oui, les mon Seigneur, là. Amen. Il y a tout ça. César, on l'appelait aussi Seigneur. Voilà. Et ensuite? Les puissances. Il y a quoi? Les puissances. Les puissances. Et enfin? Les principautés. Les? Principautés. Ah, ce sont des princes. Vous avez vu? Seigneur, là, le prince de Perse, là, il est à ce niveau-là. Vous comprenez? C'est un petit, mais un grand quand même, en même temps. Tu vois, dans le gouvernement de Satan, les princes là sont à la quatrième position. Et c'est à eux que Satan a donné la gestion des pays. Parce que le Seigneur, là, sont les seigneurs du monde, des ténèbres. Le monde, des démons. Vous comprenez? Voilà. Parmi lesquels, là, vous avez aussi la sirène des eaux, les seigneurs, là, tout ça, là. Et vous avez les puissances. Les dignités, les trônes. Et vous avez les princes, c'est-à-dire en hébreu, là, les sars, là, tout ça, là, chef de Perse, chef de Javan, chef de France, chef de la RDC, tout ça.
Regardez ce que Satan a dit dans Luc. Alors, toujours dans la géographie spirituelle. Alors, les gens me disent, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qui parle de géographie spirituelle, nouveau message, tout ça, c'est pas. Donc, bon, ben, écoutez, on enlève ce nom-là, on dit ben, les démons qui gèrent les pays, voilà, si vous voulez. Parce que vous n'êtes tellement pas. Excusez-moi, mais il y en a, je sais qu'ils sont connectés là, ils cherchent les pharisiens. Luc chapitre 4. Ben, c'est comme ça que les choses avancent. Hein. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit en disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Alors le diable l'amena sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ah, tous les royaumes, il lui a montré comment? En un instant ou en plusieurs jours? En un instant. Tac! En un clin d'œil. Ah, tout ça. Continue. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Ah. Donc tout homme qui veut diriger un pays, toute personne qui veut diriger un pays, on sait vers qui elle doit aller. Nous, nous allons diriger pendant le royaume, pendant le millénium, quand Christ va revenir. Mais présentement là, c'est pourquoi on dit qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. C'est pas possible. C'est pas. On peut pas. C'est pas compatible. Soit vous allez. Je crois qu'un pays peut se convertir avec un président tout. Ouais, ok. Mais à un moment donné, il va devoir quitter. Parce que vous allez me dire, c'est le nouvel ordre mondial. Les Écritures nous disent que le monde, les nations vont converger vers un seul point, le gouvernement mondial. C'est écrit. Donc tous les pays seront concernés. Vous ne pouvez pas lutter contre la prophétie biblique. Ça veut dire que Satan dit clairement, je la donne à qui je veux. Il lui montre tous les royaumes. Donc, ça, c'est celui qui a établi les rois. On dit toute autorité vient de Dieu. Oui, oui, oui. C'est-à-dire la manière dont les choses sont, la manière de gouverner tout ça là, c'est-à-dire roi avec des soldats militaires, ça c'est Dieu qui a inspiré cela. Mais ça a été déformé, ça a été complètement abîmé, ça a été complètement pollué. Bien sûr, mais Satan dit, je la donne à qui je veux. Et si tu m'adores, c'est pour cela que ces gens la sacrifient. C'est pour cela que vous avez Nebuchadnezzar, tout ça avec son Dieu. Vous avez Pharaon avec leur Dieu, leur magicien. C'est dans la Bible, tout ça c'est écrit. Si vous êtes maire d'un petit, hein, un petit patelin, là, tout ça, là, de 100 personnes, bon, personne ne va vous calculer, c'est pas grave. On dit, bon, vous n'êtes pas obligé d'être dans un parti politique, mais vous voulez être maire d'Evry, vous devez être. Ben oui. Sous l'étiquette, sous la. Faut être forcément dans un parti. Vous voyez ce que je veux dire? Obligé. C'est comme ça. Ben oui. C'est comme ça. Le pouvoir, là, ça se paye, ça se négocie. C'est pour ça, là, quand un homme arrive au pouvoir, là, tout ça, même quand on nomme les ministres, là, eux, ceux qui étaient dans la sanctification, là, ils finissent par flancher. Ils changent. Ils sortent de là, vous voyez bien qu'ils ont changé, quelque chose a changé. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui voit la réalité en face. Voilà, le Baphomet vient, le Baphomet c'est la tête du bouc, c'est le diable. Il dit voilà, tout ça c'est à moi. Ben oui. Voilà les lois qu'il faut faire passer, voilà les choses qu'il faut voter, tout ça là. Tant, 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 tant. C'est comme ça se passe.
Ils ont les mains comme ça, là. Ils sont au Congo RDC. On dit que c'est la CENCO, c'est une organisation catholique qui gère les choses. Vous voyez comment c'est, tout est ficelé, tout est. Vous voyez, c'est. Hein, qu'est-ce qu'ils font les casques bleus là-bas là, 20 000 casques bleus là. Ils font quoi? Il y a toujours des femmes qui sont violées dans l'Est là-bas. Là. Juste dans l'Est là-bas. Là. Ils ne sont pas sur tout le territoire. Juste dans l'Est. Vous voyez pas, tout ça, c'est de la fumée aux yeux. Tout ça là, c'est de la. Voilà, mascarade, tout ça là. Comédie. Casque bleu, ils sont censés apporter la paix, l'ONU, tout ça. Toujours des guerres, problème. Voilà. Il faut du sang. Ce soir, le Seigneur a voulu que l'introduction soit faite comme ça, hein, qu'on commence par là pour que vous compreniez déjà d'emblée à qui on a affaire, hein, à quoi on a affaire, comment ce monde est organisé. Et Jésus a dit clairement que son royaume, le royaume de Satan, n'est pas divisé. Et il appelle l'homme fort. Si l'homme fort est bien armé, garde sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Ben oui, c'est l'homme fort pour l'instant. On le présente comme le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4. Verset 3. Et 4. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement afin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Vous voyez? Il est présenté lui-même, le diable, comme le Dieu de cet âge. Quel âge, à votre avis? De quel âge parle-t-on ici? L'âge, c'est une période bien définie. L'âge du règne du péché. Non. L'âge du règne du péché. Bien, bien répondu mon frère. Ça veut dire quoi? Ça a commencé quand, cet âge-là? L'âge, ici, veut dire dispensation, temps, période, à la chute de l'homme. Et ça va s'achever à quel moment? Au retour visible de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, entre la chute de l'homme et le retour visible de Jésus-Christ, ça, cet âge-là, ce temps-là, cette période-là, on l'appelle l'âge du péché. L'âge du règne de la mort. Et on nous dit que Satan est le dieu de cet âge-là. Waouh! Et c'est pour cela qu'il a inspiré des religions, des sectes. Il y a des pasteurs, des faux chrétiens, des fausses prophétesses, tout ça, durant cet âge-là. Et on a l'impression que Dieu n'agit pas. Pourquoi Dieu continue toujours à laisser les gens être égorgés, tout ça là? C'est parce que il a un temps. Il a arrêté un temps. Il a déterminé un temps. Et Satan est le dieu de cet âge-là. Et il est beaucoup adoré. Et comme vous le savez, il est adoré dans près de 95% des assemblées. Si ce n'est plus. En tout cas, pas moins. Avec la musique profane, avec des films démoniaques, avec plein d'images démoniaques, tout ça là. Tout. Il est adoré, il est élevé, magnifié par beaucoup. Baphomé. Voyez? Et lui, il est sur son trône et il est établi comme ça et il gouverne. Il gouverne. Et donc là, vous avez vu comment ils sont, comment rapidement, hein, comment ils sont organisés, comment ils gèrent les nations, tout ça. 1 Jean 5, 19, on va le voir, 1 Jean 5, 19. Rapidement. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Voilà. Le monde entier. Toute la terre. D'ailleurs, quand on regarde bien comment les choses sont organisées, regardez par exemple le lundi. C'est le dieu lune. Mardi, c'est qui? Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, le dieu soleil.
janvier, c'est le dieu Janus. Février, tout ça là. Mars, dieu de la guerre. Avril, mai, juin, Junus, tout ça là. Août, hein, juillet, tout ça là. Août, ça c'est Auguste. Voyez? C'est comme ça. Les planètes, Mars, Jupiter, Pluton. Pluton, c'est l'enfer, Pluton. Voilà, chez les Romains, Pluton. Chez les Grecs, c'est Hadès, l'enfer. Voyez? Vénus, bah oui. Vénus, divinité. Voyez? Tout ça là, c'est à lui. Il a dit, tout ça là, c'est. Voilà. Et c'est pour cela que Jean dit que le monde est plongé dans le mal. Un jour, Dieu m'a amené un esprit. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait tous les démons et quelques satanistes qui étaient là. Et Satan était assis sur un trône. Et il ne me voyait pas. Personne ne me voyait. J'étais là avec un ange qui était là. On regardait. Et c'était une réunion comme ça. Et il était question d'exécuter un homme sur terre. Quelqu'un, un avocat. Quelqu'un qui était avocat. Et tous les démons étaient là. Je me disais, Seigneur, c'est terrible ça. Et là, à un moment donné, Satan m'a vu. Il était très en colère. Ses yeux étaient comme du feu, là. De haine, de violence. Et puis, j'ai vu des démons venir et pousser son trône avec des roues. Quand on m'a ramené, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est terrible. Il y a un trône avec des roues. Et effectivement, dans la Bible, il est dit que le trône de Dieu a des roues. Satan imite l'ange Dieu. Donc, il y avait tout son royaume pour exécuter quelqu'un. Waouh, Seigneur, c'est terrible. Le combat spirituel. Donc déjà, vous savez dans quel monde nous sommes. Demain, si Dieu permet, on va parler maintenant de son armée, l'armée démoniaque, comment ces armées opèrent. Tout ça. Le micro. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah. Donc, si son royaume n'est pas de ce monde, c'est pour ça qu'il va détruire la terre. Frère, en parlant de la de témoignage de Banan, est-ce que la femme, il a été vu par les trois? Non. Par les gens qui travaillent à l'hôtel, ouais. Ils ont vu un homme comme tout le monde. Elle a été vue de ces gens-là, ouais. Donc, comme une personne, il peut venir chez n'importe qui. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est une sorte de réalité que les chrétiens, ils ont du mal à croire, en fait. Oui, parce qu'ils sont tellement naïfs. Oui. Qu'une personne peut venir chez nous, il peut rentrer, mais c'est une personne qu'on voit vraiment une personne humaine, mais à la base, c'est un démon. Bien sûr. Et c'est vraiment la réalité que les chrétiens, ils ont du mal à comprendre, en fait. Si ben vraiment... Parce qu'ils sont tellement... le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, vous savez, déjà pour commencer, Satan n'aime pas trop que ses œuvres soient dévoilées. C'est les ténèbres. D'accord? Et dans la majorité des assemblées, c'est lui qui les a mises en place. Où il en a récupéré quelques-unes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas surtout... Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Donc le combat spirituel, il ne faut pas en parler. Ceux qui en parlent, ils vont exagérer... au point de créer de la peur chez les chrétiens, n'est-ce pas? Et mais c'est biblique, bien sûr. Si les anges sont matérialisés au point d'aller, c'est écrit dans la parole, d'aller à Sodome, Gomorrhe, tout ça et tout ça là et les démons. Pardon. Les anges de Genèse, ils ont eu des rapports avec des filles. Et ils ont, c'était des gens comme nous. Bien sûr. Ils ont donné, bien sûr, ils se sont matérialisés. Ben, voilà. Et que même la Bible nous parle. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont logé des anges. Voilà. Sans le savoir. Voilà. Ben oui. Voilà. Hébreux 13 le dit. Oui. Oui.
C'est vraiment une réalité. Mais c'est la réalité, c'est ce que on vous décrit ce soir. Cette semaine, on va vous la décrire aussi. Merci Seigneur. Amen. C'est ce que Seigneur disait, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même. Bien sûr. Voilà, des gens, des ans, que le Seigneur nous garde. Bien sûr. C'est compliqué. On est à la fin. Et les démons sont de plus en plus en action. Et tout ça, ils sont très, très actifs. Et bien sûr. Oui. Bonsoir. Quand il est dit que Satan, il gère en fait tout ça, que c'est à lui qui appartient à toutes les puissances et tout. Donc du coup, Dieu, il gère pas ça. C'est... Très bonne question. Dieu, Satan a des limites illimitées. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et par exemple, s'il veut tuer quelqu'un, il doit demander la permission au Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur va envoyer des gens pour avertir la personne, pour qu'elle se convertisse, pour qu'elle arrête le péché, tout ça. Et si la personne ne veut pas, eh ben, l'ennemi prend sa vie. Et Dieu va mettre de l'ordre quand il va revenir physiquement. C'est là qu'il va prendre Satan, il va l'enfermer pour 1000 ans et puis après c'est... D'accord. Donc du coup, quand on prie, par exemple, pour pas qu'il y ait de tel ou tel président, ça sert à rien parce que c'est pas Dieu qui gère, mais Satan en fait, c'est ça. On peut prier dans ce sens. Pour que le Seigneur permette à ce que celui qui va être nommé soit moins pire que les autres, qu'un autre. Voilà. Mais toutefois, prier pour ne pas pour qu'il y ait un président chrétien en France, je veux dire, oui, mais il faut se dire en même temps que ça va, n'est-ce pas, s'empirer parce que les Écritures nous disent comment les nations vont finir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport à un métier, les avocats, donc ils travaillent en fait pour Satan. On peut être chrétien et avocat, bien sûr, tout en étant réglo. Mais si on défend un meurtrier, un exemple. Un meurtrier, ça dépend. Si c'était dans la Bible, il y avait des meurtriers des gens qui avaient commis tuer des gens, tuer, mais de manière involontaire. Hein, il y avait même des villes qui étaient, n'est-ce pas, réservées hein, pour qu'ils puissent s'y réfugier, tout ça. Et si c'est des gens qui ont tué involontairement, parce que c'était pas, oui, on peut les défendre, tout ça. Mais si c'est des vrais, là, c'est autre chose. Voilà. Alors, ils doivent, voilà, si c'est des vrais, ben, tu tues, tu payes tu subis la conséquence de cela, parce que sinon, c'est le bazar. Hein. Alors j'ai plusieurs questions, donc ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais c'est juste pour compléter, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse, et on a vu que dans les Écritures, il avait utilisé des rois même païens pour délivrer son peuple, il avait élevé Joseph au statut de ministre, donc vous dites qu'aujourd'hui à cause de la prophétie biblique, ce n'est plus possible, que ça ne se fera plus à cause de ça, mais... malgré ça, la Bible nous dit aussi qu'il faut prier pour nos autorités afin de vivre en paix. Pas juste prier pour qu'elles soient chrétiennes, mais donc Dieu peut influer sur nos autorités aujourd'hui pour nous aider à vivre mieux. Et donc, ma dernière question, c'est aussi, est-ce qu'un chrétien est censé voter par rapport à ce qui a été dit? Très bonne question. En fait, à l'époque de Joseph, et notre époque, c'est deux époques totalement différentes. Par exemple, à l'époque de Joseph, on va dire, Israël n'était pas encore constitué comme une nation à part entière, on est d'accord. Il y avait déjà la semence était là, le peuple était déjà là, mais il n'y avait pas forcément un roi physique. Mais on peut dire quand même qu'il y avait une forme de théocratie. C'est-à-dire, Dieu était plus tard, il va devenir le roi d'Israël. C'est lui qui nommait lui-même les rois et la constitution, c'était la Torah, tout ça. Et le monde n'était pas aussi abîmé qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas le gouvernement mondial tel que c'est le cas aujourd'hui. À l'époque de Joseph, il y avait des peuples qui n'étaient pas du tout répertoriés, hein, des gens qui vivaient dans des coins reculés, qui n'étaient pas forcément. Le monde n'était pas aussi petit, hein, aussi rapproché. Les nations n'étaient pas aussi rapprochées. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre configuration où il y a le nouvel ordre mondial, où il y a l'ONU, tout ça, donc où on se rapproche véritablement de la fin. Voilà.
Et donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, par exemple, que quelqu'un occupe un poste tel que le poste occupé par Joseph. On peut dire que Joseph était le premier ministre, tout ça. Aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a une femme qui craint le Seigneur. Le présent, son présent, donc cette femme africaine, son présent l'a nommée ministre. Elle gérait une banque. Voilà, et il y a un décret qui est sorti, ministre. Elle ne fait pas de la politique, elle n'est pas dans un parti politique. Elle a dit au président, je refuse. Le président a bloqué son salaire, le président l'a licencié. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit, tu peux. Mais elle n'était pas dans un parti politique. Donc elle était juste ministre, c'est-à-dire juste fonctionnaire. Et on discutait la dernière fois, quand je suis allé dans ce pays, elle me disait, elle va, n'est-ce pas, démissionner, voire même quitter le pays, parce qu'elle a vu que ce n'est pas possible. Elle m'a dit, par exemple, elle m'a dit dans mon pays, parce que je lui ai demandé quand même, mais on a beaucoup d'argent, beaucoup de richesses en Afrique, pourquoi il y a pas de, pourquoi les salaires sont si bas? Parce que, voilà, c'est quoi, c'est 30 dollars, 50 euros, tout ça, 100 euros pour les fonctionnaires. Et elle me dit, notre pays a les moyens de donner 1500 euros de SMIC aux gens. Et mais les autorités disent, si on donne ça, ils vont plus écouter, les gens ne vont plus les écouter. Et elle dit, je peux pas continuer au milieu des gens qui sont injustes. Comme ça, là. C'est pas possible. Elle a tout fait pour que les choses changent. Impossible. Parce que, bon, y a des intérêts, supranationaux, il y a des intérêts internationaux, il y a des lobbies. C'est compliqué. En fait, le monde est déjà devenu un petit village. Donc, et là, elle va quitter même son pays pour se protéger. Donc, il fut un temps où c'était encore possible. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Voilà. Donc, oui, on peut. Et prier pour, on doit prier pour nos autorités, les bénir, et Dieu peut effectivement permettre à ce qu'il y ait une personne païenne, bien sûr, sous qui pas forcément pire que tous, toutes, soit élue pour aussi faire du bien un peu à son peuple. Mais toutefois, les Écritures nous disent comment les choses vont se terminer. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'un chrétien a le droit de voter? Et ça, c'est la liberté. Ça, c'est après. Il n'y a pas forcément un verset qui dit qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Mais ça, c'est à chacun maintenant de voir comment le Seigneur le conduit. Voilà, en fonction de la conviction de chacun. Voilà. Moi, j'ai juste deux questions. C'est sûr que personnellement, je ne vais pas voter quelqu'un. Je ne voterai pas quelqu'un qui va encourager des pratiques anti-bibliques. Mmh. Voilà. Donc, je préfère voter blanc. Voilà. Moi, juste deux questions par rapport à l'ange qui a été envoyé, qui a été bloqué. Et donc, c'est Michael qui a dû intervenir. Mm-hmm. Mais cet ange, il venait du ciel. Et, oui. S'il vient du ciel, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, puisque les anges sont sous l'ordre de Dieu. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faisait là, en fait? Il n'était pas à sa place, à la limite. Si, il était à sa place parce qu'il devait aller libérer le message chez les Perses là-bas, parce que Daniel était là-bas. D'accord, mais l'ange ne savait pas sur quel ange il allait. En fait, le fait qu'il arrive face à un ange qui est plus fort que lui, regarde, alors qu'il vient du ciel, c'est ça que je ne comprenais pas. En fait, c'est, regarde, la réponse est dans 1 Corinthiens. D'accord. Un Corinthiens chapitre 10. Ouais. Verset 6. Je le lis? Ouais. Or, ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. Ne devenez pas idolâtres. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Okay. Romains 15, 4. Vas-y, c'est deux passages là que je voulais te donner. D'accord. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. En fait, Dieu a permis cela pour que nous soyons enseignés, nous. Ah, ce que je voyais.
n'est-ce pas, que Dieu, notre Créateur, est le Dieu d'ordre. Qu'il y a des territoires qui sont assignés à des personnes bien définies, tout ça, et que comme ce territoire-là de Perse était assigné à ce prince-là, c'est un démon territorial, eh bien, celui qui devait faire face à ce démon-là, c'était un esprit guerrier. Tu vois ce que je veux dire? Qui était aussi un chef, comme lui. Parce que cet ange-là, ce démon qui est devenu cet ange, qui est devenu démon, était certainement un des collègues de Michael. Il devait occuper le même rang que Michael. C'était un archange, certainement. Donc, voilà comment Dieu veut nous enseigner simplement que eh ben, si tu es apôtre, par exemple, tu auras affaire aux faux apôtres. Celui qui n'est pas apôtre, qui veut aller attaquer les faux apôtres, ben, il n'a pas suffisamment d'équipe, de matériel, d'équipement pour faire face aux attaques de l'ennemi. Tout simplement. Dieu le savait, mais c'est pour nous instruire. Ouais, voilà. Okay. Parce qu'il savait qu'on allait lire cette histoire-là. Voilà. Et juste la deuxième question pour ne pas mobiliser. Dans Apocalypse, je ne sais plus c'est quel chapitre, là où Dieu il se présente comme cet esprit. Au micro. Quand Dieu se présente comme cet esprit, par rapport au fait qu'il y a des territoires spirituels, en fait, c'est pour montrer la toute puissance de Dieu, en fait, quand il dit qu'il est cet esprit. Parce que beaucoup de chrétiens. Pour lui, c'est 5, quoi. Voilà, beaucoup de chrétiens posent la question, ils comprennent 5. Pas. Voilà, ils se disent, pourquoi Dieu a cet esprit? Voilà, sur tous les continents. Parcourt la terre. Voilà, ouais. C'est ça. Okay. Dieu est le maître du ciel et de la terre, c'est écrit. Mais en tant que maître du ciel et de la terre, il avait confié la gestion de la terre à Adam. Et Adam, en tombant dans le péché, il a cédé sa place à Satan. D'accord? Et Satan, bien qu'étant le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, tout ça, il a des limites qu'il ne peut franchir. Dieu seul n'en a pas. Dieu est le seul à ne pas avoir de limites parce qu'il est tout puissant. Voilà. Et en tant que maître du ciel et de la terre, il a arrêté un temps où il va virer Satan de la terre, de ce monde. Il va l'enfermer pour 1000 ans, c'est écrit, à la fin de la prison. Amen. Amen. C'est bon, vous avez compris les choses? Notez vos questions. Demain, on va les poser. Que Dieu vous garde. Alors, on se retrouve demain. Oui, pose ta question demain, mon frère. Merci. Alors, ceux qui peuvent, on va faire un petit offrande là pour aider les prisonniers. Quelqu'un part demain en Afrique. Ceux qui peuvent, que Dieu soit béni. Bonne continuation. Seigneur, garde-nous, protège-nous, protège nos enfants au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Allez, à demain.